Para mí nada es de nadie. Todo es del primero que lo necesita. Buñuel, en adaptant l'écrivain espagnol Benito Pérez Galdós, a transposé cette histoire qui se passe en Espagne dans le contexte mexicain de la dictature de Porfirio Díaz avant la révolution mexicaine. Le sujet est simple, c'est un prêtre qui vit dans la ville de Mexico, dans une cour très animée avec plein de personnages. Il vit seul, il vit selon sa foi, les gens lui demandent de la nourriture, dès qu'il a de l'argent, il leur donne, il vit dans le dénuement absolu. Que yo sabré si debo ampararte o entregarte a la justicia. Me vaya a denunciar, padrecito. Acepto con resignación el sufrimiento que por tantos caminos de la maldad humana. Et ce qui est fort dans ce personnage, c'est sa liberté à lui, la liberté du mépris du candidaton, de ce qui est contraire à l'image que la religion veut donner. Et Buñuel était bien placé pour savoir par rapport à la religion catholique franquiste, l'Opus Dei en Espagne. Usted marchese quanti antes. Que si vienen y le preguntan a todo, dígame. ¿No le dan alguna prove? Buñuel se définissait toujours comme un sceptique bienveillant, hein, par rapport à cette idée qu'il est pour que les sociétés changent. Il était aussi dans cette branche du surréalisme communiste, hein, proche d'Aragon et autres. Puis qu'en même temps, il avait des doutes par rapport à comment la société se transforme. Il disait, moi, je ne suis pas convaincu que l'homme puisse changer la société, mais je n'ai pas envie que la société me change. Et Nazarin est un homme libre parce qu'il n'a pas envie que la société, dans son conformisme, le transforme. Et c'est pour ça que pour Buñuel, c'est un personnage sacré, si je puis dire, au sens noble du terme, parce que c'est un personnage qui est libre et qui vit selon ses propres convictions, combien même la réalité lui pose des problèmes et qu'elle est, comme on dit, toujours extrêmement tordue. Te dije que luego nos mirábamos, chivato. Por primera vez en mi vida, me cuesta trabajo perdonar. Con razón dicen que es usted un inconforme, un espíritu rebelde.